Mes frères et mes sœurs, chers internautes, nous disons bonsoir encore une fois. C'est un réel plaisir pour nous que nous sommes capables là, pour que nous sommes capables de chanter pour la gloire de ton Saint-Nom, pour de son Saint-Nom, en vertu de tout ça qu'il fait pour nous. Il y a un pile de monde qui est affecté quelque part, une maladie, par la mort. Mais grâce à Dieu merci, nous là. C'est ça qui fait que nous pouvons chanter à Dieu des chants de louange. Pour que nous soyons capables de faire connaître comment que les gars dans la vie nous. Parce que c'est lui-même seul qui capable que nous capables là, nous capables respirer, qui pas une bonne d'oxygène. C'est lui-même seul qui capable que nous capables de marcher, nous capables respirer à l'air libre. Si ce n'est pas lui-même, nous ne pouvons pas là, parce que berger nous, c'est un roi d'amour. Bonté le pape, j'en fini. C'est côté de l'eau à couler, puis frère. C'est là, limiter nous. C'est ça qui fait que nous pouvons chanter pour la gloire de son Seigneur. Berger-moi, c'est un roi d'amour. Baisse-moi, Seigneur, roi d'amour, bonté li pap sans fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, pas besoin manquer rien. Oh, pas besoin manquer rien, baisse-moi. Baisse-moi, Seigneur, roi d'amour, bonté li pap sans fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, pas besoin manquer rien. Oh, pas besoin manquer rien. Les entrailles moins à déchirer en dents. Nos solitudes, moi si t'en as silence moins. Tant de voix, cap dit moins point courage. Sentim fait,
sorti faire, les tristesses envahies. Que les autres aient moins, les autres aient moins, à déchirer en dents, en solitude, en solitude. Moi, si t'as un silence, moi, de voir, a dit moi pour senti me faire, senti me faire, les tristesses envahissent, les entrailles moi à déchirer en dents, en solitude, en solitude. Si t'as un silence, moi, m'entends des voix, qu'a dit moi pour vous lever-moi. Compassion bon Dieu, il pas fini, mais pas fini, lire et renouveler, chaque matin, chaque matin, il renouvelle.
chaque midi, chaque soir, lui renouvelé. Chaque matin, miséricorde. Miséricorde. Chaque matin. Chaque matin. Bousse-moi, pape, j'aimerais te faire adoration, moi, c'est pour vous. Sous ton moi, pas qu'un souffle encore adoration. Bousse-moi pas, j'aimerais faire adoration-moi, c'est pour vous, tout dans moi pas, tout dans moi. Yeah.
amis visiteurs qui ont écouté nous à soir. Nous arrivons jusqu'au moment où nous prenons présenter les requêtes nous devant l'Éternel. Je demande nous, quel que soit côté nous y a, pour nous capables de prendre position pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Créateur de l'univers, nous bénissons et nous disons merci de ce que notre amour fait nous grâce. Nous t'allons coucher et nous permettre de nous lever en bien. Et à soi encore, nous avons privilège pour nous capables de présenter le temps pour côté nous venir pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous reconnaissons tout en dépit de toute bonté et miséricorde envers nous. Nous ne pas représentons dignement. Nous te faisons un pile bagaille qui va te faire plaisir. Et nous supplions au nom de ton Fils Jésus. Débarrassez-nous avec tout interdit qu'il a envie, nous tout péché et iniquité que nous te commettons devant. Et permettre que cet esprit soit capable de prendre position dans chaque petit tout. Que ça qui présent en chair et que ça qui a coûté nous à travers les ondes. Nous demandons que cet esprit soit capable de présenter dans chaque foyer à soi. Pour que le moment ça que nous avons passé avec vous capable un moment favorable. Nous disons merci de ce que dans ton amour, vous te fait monter dans l'esprit dirigeant, l'œuvre et spécialement. Docteur Luc Pierre, qui est capable de faire plan pour nous être capable de gagner une semaine de rafraîchissement à la fin de cette année. Côté, nous passons une année de tribulation, une année de terreur. Mais en dépit de tout, nous sommes capables de crier Bénézer parce qu'on découvre nous en basse-là. Pour toute bagaille, ça nous dit que nous bénis, que nous louons, exaltés de maintenant et à jamais. À soi encore, nous voulons dire merci. Mille remerciements. Parce que nous sommes encore en vie. Côté des milliers de petits ont perdu la vie. Mais nous autres, nous encore vivants, nous disons merci. Nous voulons présenter devant, à soi, nous voulons présenter devant les petits qui ne papotent pas bien. Il y a un grand nombre. Ou connaît. Nous ne pas citer nous un après l'autre. Mais on connaît maison, yo, on connaît côté yo habité. N'a supplié le moment ça a visité. Ça qui besoin un touchement physique, toucher physiquement. Ça qui besoin toucher spirituellement qui gagne un fardeau qui on veut débarrasser. N'a pas de vous capable de toucher pour nous. Dans le Père, d'une façon spéciale, nous voulons présenter ses victoires devant la soirée. Que vous choisissez pour porter méditation pour nous au cours de cette semaine. Nous avons supplié pour capable effacer complètement. Que cet esprit soit capable de prier. Afin que quel que soit ça, il va dire à soi. Il ne pas sortir de lui-même, mais il capable de sortir directement de vous-même. Tandis que nous avons un sujet, nous avons besoin d'huile dans l'homme. Tandis que nous n'avons pas approché puis près de la fin. Aidez-nous, notre tendre Père, pour nous capables de faire table rase dans la vie, nous, pour que nous capables de dépouiller nous complètement avec l'aide de ton Saint-Esprit, pour que nous capables de produire les fruits de l'Esprit, et pour que de telle sorte, lorsqu'on fait apparition, pour nous capables prêts pour nous rencontrer. Nous avons levé serviteurs devant Docteur Luc Pierre, Pasteur Oba, Pasteur de Varier et tous les anciens de l'Église de Den. Tout chef de département, n'a supplié pour capable visiter pour nous. Que cet esprit soit capable de la vie, pour que tout ça y a fait, capable de faire dans le but, pour que l'œuvre aille de l'avant. Bénis service à soi encore une fois de plus. Pardonnez péché nous. Fais pour nous au-delà de ça nous demander. Nous ne prions parce que nous sommes bons et nous avons mérite. Mais nous demandons toutes ces grâces à travers les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne. Dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Allah ou grand, Seigneur, Allah ou grand.
Le château de Châtel, 120, tenant de la pupouette. Hosanna, et qu'avec allégresse, on sent Alléluia, on sent Alléluia. Amis de la prière, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, combattants dans la foi, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel pour le privilège d'y accorder nous, d'y permettre nous là encore dans la deuxième soirée, grande semaine de prière de fin d'année. Est-ce que l'Éternel te visite nous pendant la journée, frères et sœurs? Ou même qu'il a caillou, est-ce que vous avez senti l'Éternel te visiter? Ou sorti ou rentré? C'est déjà un miracle que l'Éternel fait pour nous-mêmes. On nous dit merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Ou même dis ça plus fort, la caillou. Dis merci, Jésus.
Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus méritait pour nous remercier, lui méritait pour nous louer, lui, après que nous fin passé yon journée en bien. Qui te me dit wasoya? Jésus remet en pile. Moi content pour me dire ça que Jésus remet en pile. Si gen un moun ou ka compter sur lui-même. Si gen un moun que ou ka faire confiance nan bon et nan temps qui plus difficile yo. C'est Jésus de Nazareth. Il peut jamais trahir confiance. Jésus pas qu'on bail menti. Combien moun Jésus bail menti déjà? Est-ce que Jésus te bon menti déjà? Personne. Ça le dit, li a fait. Qui te dit ou aswaya? Si ou prend semaine de prière ça pour n'importe bagage pas gagne qu'un effet qu'a fait dans la vie ou. Mais si vous dites semaine ça c'est semaine pam non c'est semaine pour me rencontrer Christ c'est semaine pour la vie me changer l'Éternel l'a visité ou il a fait qui choix pour vous même. Pas dire bon parce que m'la caille moi et puis soit m'a prendre un téléphone, m'voyer téléphone non en côté, m'a régler toute activité et puis même tendez m'pas tendez là au fini même. Rien pas fait dans la vie. C'est même genre avec femme là. Qui t'ai atteint une perte de sang pendant 12 ans. Jésus n'a mis en foule, pas vrai? En pile, on a poussé Jésus, en pile, on a touché. Mais en pile, il était malade. Mais il n'a pas guéri. C'est seulement dame ça, parce qu'elle dit, moi, pas venu pour venir, mais m'a venu pour me toucher. Et si me toucher, je m'a guéri. Il n'est pas venu pour venir. Il n'est pas tendé pour tendé. Mais il y a une conviction. L'a touché au Jésus, l'a guéri. L'a touché au Jésus, vrai, l'a guéri. Quand on est là, Kayoua, Jésus est capable d'agir pour vous-même. Quand on obtient de nous, Jésus est capable d'agir pour vous-même. Mais il faut vous chercher avec tout cœur. Hier soir, nous avons un sujet par le temps d'intérêt. Et thème que nous avons traité, c'est de l'huile en réserve dans notre lampe. Hier soir, nous étions à la rencontre de l'époux. Et texte de base, nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. C'est le texte de base là que tout le monde a pas médité là-dedans. Lui, qui a une parabole des 10 vierges. Parabole dit vierge que Jésus te baille depuis 2000 ans passés et qui a servi toile de fond pour nous aujourd'hui. À soyez, nous parlons rapidement un autre aspect encore. Sage ou folle, dans qui catégorie ou y est? Comment nous dit? Sage ou folle dans qui catégorie que vous êtes. Nous prions le Seigneur. Père éternel, nous disons merci pour bonté et miséricorde manifestée envers nous-mêmes. Assoyez encore, nous là pour vous présenter ta parole. S'il te plaît, ô éternel, que vous-même vous capable de parler à peu pour vous, que vous capable de faire nous entendre des voix. Et que cœur nous capable ouvrir pour recevoir parole, il va faire travail ou va voir le faire dans la vie nous. Béni si la ou klakayo qui a attendé et qui a gardé tout. Ou va pardonner péché nous. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
Comme on nous dit, sujet à soya, sage ou folle, dans qui catégorie ou yé? Sage ou folle? Parabole des dix vierges, li concernait le temps de la fin. Parabole ça, d'ailleurs, il classé parmi six paraboles de jugement que Jésus-Christ li bay parmi toutes paraboles en troisième catégorie. Hein? Et parabole ça, li concernait le temps de la fin ou encore tant ça que nous vivons la même. Parabole ça concernait les vivants qui a prêté pour l'avènement du Fils de l'homme. Ça, apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, nous les vivants qui serons restés, donc pour l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est moun qui a vivant pendant Jésus-Christ a venu, il pas concerné les morts en Christ, mais il concerné les vivants. Cette divinge formait ce que nous appelons la communauté chrétienne. Ce qui revient à dire hein, que parabole ça pas concerné les païens, mais il concerné les chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Parabole ça concerné les chrétiens. Donc, en parabole là, l'ensemble de ces dix vierges, c'est la communauté chrétienne. Si c'est la communauté chrétienne, il y a là-dedans deux groupes. L'église là gagne deux groupes. Il y a un groupe sage et un groupe folle. Que l'on veuille ou non, moi-même avec nous fait partie de un groupe sage. Est-ce que nous fait partie groupe sage là? Est-ce que nous fait partie groupe folle là? Mais nous dans deux groupes yo. Gen un pile commentateur biblique qui dénommé parabole des vierges comme parabole des intelligents. Yon groupe intelligent, yon groupe ignorant. Yon groupe prudent, yon groupe négligent. Yon groupe sage, yon groupe insensé. Et c'est Jésus qui dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et la Bible se met en dit, ce sont les intelligents qui s'en emparent. C'est moun qui est intelligent, moun qui compte pour qui ça y est venu. Moun qui sorti de l'existentiel pour passer de l'existentiel. Deux groupes, bien-aimés frères et sœurs, et c'est la situation actuelle de l'Église. Jésus bien précisé pour dire, c'est 10 vierges. Au commencement, tout semblait 10 vierges. Ou pour qu'on a dit, eh bien, mais qui est-ce qui folle dans yo, mais qui est-ce qui sage dans yo même au commencement. Donc, Jésus parlait de 10 vierges. Maintenant, on a parlé déterminé, il y a un groupe qui sage, il y a un groupe qui folle. C'est action que a posé yo. C'est action, hein? C'est œuvre yo qui a dit, mais qui groupe yo yé. Pas de distinction au départ. Et qui me dit, personne pas capable accepter yo ta ka jouer le fou. Même si tête moun nan anti Jean pas là, mais sou dit le fou son discrimination et le ka bataille ensemble avant même. Pour les psychiatres, yo di moun ki folle, moun ki fou, c'est une personne qui a une maladie mentale.
une personne qui atteinte des troubles mentaux. Et il y a plusieurs catégories que yo bay en droit, yo pral faire différence entre dément et folie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est œuvre sagio vieille qui pral dit qui est-ce qui folle et qui est-ce qui sage. Nous dit que personne pas d'accord. Yo ta ka dit le fou et qui est souillé pour dire un monde fou? Parce que li capable fou dans les yeux pa ou. Moi rappelé moi yon dame au Cap, il mourit qu'on y a, oui, qui était fou, on fond là, et Léodiane. Songez Léodiane. Léodiane, depuis la passée en côté, donc il faut faire tout le monde, il faut qu'il ouvre le colis. Et qui fait, on fait marquant que de bon parler de Léodiane, on songe dans le marché de Neflan, bon l'autre monde qui est fou. Li kembe moun fou sa la kalel pou di ou marche sal trop, se ou ka fè pale mal moun fou, al met gadzou. Bien-aimés frères et sœurs, dans le livre des Proverbes, li parle des sages et des insensés. Donc, il y a des commentateurs qui disent, au lieu de parler de vierge sage ou bien vierge folle, nous parlons de sage et insensé. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29, Jésus dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est un sage, un homme prudent qui tendait parole et qui pratiquait. Lorsque vous tendez la parole de Dieu, lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, eh bien, Jésus qui est comme moun qui prudent, vous faites partie des sages. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Homme prudent, li bâti maison sous roche là. Donc, lorsque vent vini, maison monte solide. Mais homme insensé, li bâti li sous sable. La pluie tombée, torrent vini, vent soufflé. Et on bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Insensé a pas coûté la parole de Dieu. Ou encore, il n'a pas pratiqué la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 4 à 9, il dit que sage, il obéit à la parole de Dieu. Sage cherchait la connaissance et il cherchait la sagesse et la compréhension. Groupe qui sage. Mais groupe insensé a lui méprisé la sagesse et le méprisé l'instruction. Alors, dans qui groupe ou yé? Prophète continue pour dire, Prophète 10, verset 8, groupe sage accepte conseil et correction. Li accepte moun bay conseil. Et il accepte correction. Mais moun ki insensé a, groupe insensé a, qui encore à l'intérieur de l'église, li ignore les conseils et correction.
Ou pas qu'à parler ensemble avec elle. Et péché même nous rend arrogant. Là on moun péché et bien il vient arrogant. On va parler, il est tout prêt pour la réponse là, pour dire bon, et pas seulement moi, et c'est seulement moi et l'autre yo. Bien-aimés frères et sœurs, dans qui groupe, dans qui catégorie ou même ou classé? Proverbe 11, verset 14, sages, ils ont ignoré les insultes et ont maîtrisé la colère. Ils n'ont pas agi sous colère, ils ont maîtrisé la colère. Pourtant, les insensés réagissent eh bien, avec colère. Dans Proverbe 12, verset 16, les insensés ont toujours raison à leurs propres yeux. Yo toujours gen raison. Yo pas d'accord moun di yo gen tort. Yo tout prêt pour ta bataille ensemble avant sou di yo gen tort. Yo rete ancré nan idée personnelle yo, yo pas changé route facile. Et parfois ou comporter tant qu'on mange salé. On mange salé, c'est difficile pour ranger. Tu vois, il est en salé déjà, même si on met de l'eau là-dedans encore, il va toujours continuer à saler. Même si on met de l'eau, jetez-vous, jetez-le. Bien-aimés, frères et sœurs, dans Proverbe 28, verset 26, il dit, sage-là, regarde vers l'avant. Anticiper les conséquences de ses décisions et de ses actions avant de poser une action, mais il agit, il regarde pour qui conséquences ça va le gagner. Chaque décision qu'il va le prendre, il pesait sur lui-même. Pourtant, insensé, il trouvait souvent dans le malheur parce que il pas pesé sur action yo. Sage contrôler choix que il a fait. Insensé à pas contrôler choix qu'il a fait. Dans qui catégorie? Eh oui, ces deux groupes yo dans l'église et Jésus pral di li yon l'autre façon pour dire quitter blé yo, bon grain yo grandit ensemble avec livré yo et souvent livré yo yo plus parce bon grain yo mais yo tout fait partie jardin. Ni livré, hein, ni bon grain, hein, yo fait partie jardin. Hein. C'est maître là qui connaît. Ça, c'est bon grain hein, qui est lié. Grain compté sous l'IA. Et ça, c'est livré, c'est paille, la pral jeté. Luc classé groupe ça dans Luc 7 comme foule et disciple, il fait différence là entre foule et disciple, c'est toujours deux catégories de personnes ça à l'intérieur de l'église, il y a la foule et les disciples. Il y a un groupe moun qui vini pour vini l'église là qui attendait mais pour attendait. Yo pas tellement gagné destination, yo pas tellement et qu'on est eh bien pour qui ça yo attendé maintenant, yo là parfois yo cherché miracle. Yo classé parmi la foule ou pas qu'a dit yo avec Jésus, mon pas qu'a dit yo contre lui même tout parce que yo là. Et on l'autre groupe qui c'est disciples qui renonçait à eux même à tout bien que yo gagné. Yo a suivi maintenant, yo prêt pour même mourir avec mettre la même. Côté mettre la yé, yo là. Dans qui catégorie que ou même mouye, est-ce que ou c'est yon nan parmi la foule ou bien ou parmi les disciples? Est-ce que ou même parmi les sages ou bien ou parmi les insensés? Peut-être vous allez me dire, moi c'est sage, moi c'est disciple. Mais qui te me dit, à chaque fois, frère ou là, en difficulté pour aider ou pas aider ou classer parmi les insensés?
À chaque fois, pour porter la joie, bah, pour chien, eh bien, ou rendre triste avec une mauvaise action que vous-même vous posez, automatiquement, ou classé parmi les insensés. À chaque fois, pour aider le prochain, ou pas aider le prochain, ou passer outre, ou faire partie des insensés. Bien-aimés, frères et sœurs, dans quelle catégorie nous y est? Qui te dit, ouais, les sages hériteront le royaume des cieux. Mais les insensés, Jésus va le dire, dehors, les chiens, moi, pas de me reconnaître nous. Vous qui commettez l'iniquité, nous-mêmes qui avons commis l'iniquité. Et c'est ça, Jésus va le dire, Matthieu 5, verset 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, frères et sœurs, reproche ça. Jésus pas fait avec païen. Ça n'a pas concerné les païens. Il concerne les chrétiens. Les gens qui disent, il y a tant de retour de Jésus. Il faut noter, il dit, mais Seigneur, est-ce que nous pas chasser de mon nom? Donc, ce sont des chrétiens. L'église là, il y a un pile monde, un pile membre. Mais est-ce qu'il y a un pile disciple? Ou qu'il y a 10 ans, 15 ans en dans l'église là? Ou ka gen 20 ans, bon, ou ka fait même en dans l'église là, ou pas jamais quitté. Mais pourtant, ou pas disciple de Jésus. Ou pas disciple de Jésus. Ou ka un grand prédicateur, ou prêcher, en pile monde baptisé, ou faire toute carrière ou prêcher, ou même prendre retraite même. Pourtant, ou pas jamais disciple de Jésus-Christ. A dit, sauti sous moi, pas de jamais reconnaître nous. Bien-aimés, frères et sœurs, dans qui groupe ou y est? Personne ne va catégoriser pour dire, mais dans qui groupe ou y est? C'est vous-même qui connaissez, mais dans qui groupe ou y est? Ou encore, mais qui groupe ou t'as fait partie de lui-même? Il y a des pays africains. L'évangile là jusqu'à présent difficile parce que dans le pays c'est musulman donc l'église là christianisme là difficile pour prendre dans le violence qui fait dans l'église yo qu'on rentre bat moun yo dans l'église craser adoration qui a fait là dans pays dans centre Afrique yo passé l'ordre pour l'église yo fermé pour moun ba aller l'église. Mais un groupe chrétien qui t'a fait une croisade, il a dit bon, croisade là pour qu'on finisse, il n'a pas fermé croisade là. Il a là l'église là. Et un samedi matin, il a un groupe de soldats rentré dans l'église là. Il dit il a mis des faits. Si il a eu l'autre bout, tout le monde quitte l'église là. Et nous avons 5 minutes. Pour tout le monde, vider les lieux. Sans ça, on a mis du feu à tout le monde. L'église a été remplie avec le monde. Mon a tombé dans la fenêtre, tombé l'autre bord, mon a passé sous le monde pour sortir. Soldats ont campé là, n'importe là, il y a pas de pression. Pasteur a souché, il a chanté. Mon a tombé dans la fenêtre, tombé l'autre bord, passé sous le monde. L'église était remplie avec mon nanan, moins de 5 minutes. Il y avait 10 personnes dans l'église là. Tout le monde
courir. Vous avez 10 personnes qui dit nous t'es venu à l'église là, nous venons adorer l'Éternel. On n'y est pas qu'à mettre nous dehors l'église là. Si pour nous mourir, nous mourir là, dans l'église là, au pied de l'Éternel. Si on paye du feu, on paye du feu ensemble avec nous, au pied de l'Éternel. Ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté. Et puis, soldats, le capitaine est rentré dans l'église là. La grosse âme est dans la main. Et puis, il arrive devant le chéant, parce qu'il y a 10 personnes qui ont chanté l'église là. Et puis, il me fait signe, il m'a dit au fond silence. Et puis, il dit, pasteur, vous m'êtes prêché qu'on y est là. Pasteur a dit, oh, mais comment? Il dit, oui, qu'on y est là, c'est qu'on y a qu'à prêcher. Il dit, mais ça qui passe? Il dit, ah ben, hypocrite, vous êtes allé. Ou qu'à prêcher qu'on y est là. Bien aimés frères et sœurs, en transposant ce genre d'expérience à l'église noire, quand pile monde qui l'église là, mais pas l'église la vraie. Ils ont pas attaché à Christ vrai. Ils ont tout prêt pour péter courir, ils ont tout prêt pour aller virer d'eau. Même Jean, Jésus t'a parlé de la vie éternelle à toute foule là, ils ont tout pété courir, ils ont allé, ils ont rebagaille ça droit du. C'est disciples seulement que t'es resté avec Jésus-Christ. Il y a plus de monde qui l'église là. Mais il n'y a pas là. Et madame White dit que l'église là est pour cribler. Lorsque l'église là souke, livre yo a tombé. Il dit à peine sous chaque sang, à peine si il y a 5 ans qui a prêté. Dans quelle catégorie que vous êtes? Est-ce que c'est la foule ou bien disciple? Est-ce qu'on est attaché réellement avec le maître là? Est-ce qu'on est prêt pour mourir pour le maître? Est-ce qu'on est prêt pour sacrifier pour le maître là? Ou encore est-ce qu'on est là parce que c'est bon? Dans quelle catégorie que vous êtes bien aimé, frères et sœurs? Ou même qui la caillou, c'est le moment pour poser cette toute question ça, hein? Pour dire dans quelle catégorie que vous êtes? Qui ça qui attaché avec maître là? Sage ou folle? Deux catégories à l'intérieur de l'église. Et ici, dans la parabole là, Jésus parlait de 5 sages, 5 folles. Donc, il mettait là 50-50, mais il n'y a pas égalité ça. Bien-aimés, frères et sœurs, assoya, nous dit même Jean dans coup Josué, qui réunit le peuple, qui arrive dans le dernier moment, li, l'elfine fait panorama de vie peuple, elle dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que nous avons été servis? Les dieux, papa, nous t'a servi dans le désert. Mais quel que soit le choix que nous-mêmes nous faisons, moi-même, avec famille, nous avons servi l'Éternel. C'est vous-même qui connaissez qui choix que vous avez fait. Est-ce que vous avez pas, eh bien, servi les biens ou bien vous avez servi l'Éternel? C'est vous connaissez dans quelle catégorie vous voulez ou encore dans quelle catégorie que vous me mouillez. Mais ces deux groupes, ça y est, ils concernent nous-mêmes qui vivons dans les derniers temps. Quelle décision que nous prenons? Il y a un artiste. Il fait tableau, un bel tableau. Les touristes ont aimé ça, ils ont passé pour garder tableau artisanal, dans le marché, acheter. Donc, dans le marché touristique, ils ont toujours eu un bel tableau qu'ils ont fait. Les artistes qui font un bel tableau, une belle architecture, une belle maison, que tout touriste intéressé à lui-même. Maintenant, le tableau qu'il fait, qui est différent de l'autre artiste, de l'autre dessinateur, lui-même, il fait porte yo fermé et il mettait un monde qui campait devant porte là fermée et puis il fait dessin
la pluie qui a tombé. Moun n'a mouillé, donc la pluie a tombé. Et puis touriste a regardé tableau, hein, il a tiré à lui-même. Mais curieusement, quand question le poser, il dit mais pour qui ça met moun ça dehors? La pluie a tombé, tu ka mettre moun ça bay clé pour ouvrir porte là. Ou moi ta rentre dans caill là. On gè touriste qui comique oui. Il dit faut moun nan ta ouvri. Mais li vle jouer artiste là. Artiste là bien sérieux tout répond li, il dit oui porte ça ka ouvri. Mais c'est moun ki en dedans pour couvrir pour moun ki dehors. Donc clé a c'est en dedans lié. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus devant porte cœur nous, il a frappé. Mais c'est nous-mêmes pour ouvrir cœur pour le rentrer. Si nous pas ouvrir cœur nous pour Jésus rentrer, Jésus pas rentrer. Il dehors l'a frappé. L'a dit petit moi me sauver. Me veut rentrer dans cœur. Mais il pas faire force pour rentrer. C'est ou même pour couvrir cœur, c'est ou même pour couvrir pour rentrer. Si ou ouvrir la pour rentrer, elle dit m'a souper ensemble avec nous. Et nous même nous n'a souper avec lui. Mais c'est ou même pour couvrir cœur. Elle dit l'a souper avec vous, ça veut dire l'a résoudre problème que vous gagnez. Est-ce que y a soya ou quitter Jésus mouillé dehors ou bien on ouvrir cœur pour entrer? Qui s'en fait à soya? Ou une décision pour prendre à soya? Jésus voulait retirer parmi la foule pour le mettre parmi ses disciples. Il voulait retirer parmi les insensés pour le mettre parmi les sages. Il voulait retirer non, parmi les vrais pour le mettre parmi les bons grains. Mais c'est vous-même pour couvrir votre cœur. C'est vous-même pour dire, Jésus, rentrez là dans lui. Et qui ça vous voulez faire? Qui décision que vous devez prendre? Personne ne peut prendre décision ça pour vous-même. Ou même qui la caille, ou même qui est dans le temple. Personne ne peut prendre décision ça pour vous-même. C'est vous-même pour dire Jésus, mes cœurs, entrez là dans lui. Est-ce que vous avez même dit Jésus ça à soi? Pour dire Jésus, souvent je quitte au dehors. Mais à soi, je veux ouvrir cœur pour rentrer là dans lui. On nous va chanter pour nous prier. Si tu as même prendre décision ça 340 ans, viens mon âme te réclame. Nous va chanter chant ça. Et nous va prier. Koto et la caillou ou ka prendre décision ça. Pas dire bon l'église déjà. Oui, ou l'église déjà, mais deux catégories ça yo, sont dans l'église la même que yo yé. Qui pas que vous faites à soi? Viens, mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Victoire.
Jésus, mon seul sauveur, viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Caillou fait le vide en vous-même. C'est moment pour nous rencontrer Dieu. C'est moment pour prendre une décision dans la vie. Côtoyer la caillou. Fait le vide en vous-même. Et autour de vous-même pour capable prier le Seigneur. Pour dire Seigneur, entrez dans le cœur. Moi, je voulais ouvrir le cœur à vous-même. Les bagages de ce monde capable de la vie éternelle. C'est où capable moi li. Fais prier ça. Assoya. Éternel, notre Dieu. Assoya, nous devons faire ça. Après nous finissons des paroles. Nous devons comme réponse pour nous demander grâce, Seigneur. Nous avons gagné deux groupes dans l'église là, alors que nous toutes n'attendons retour, nous toutes n'attendons et pour lui-même lui vini. Mais nous pas t'avlé parmi les folles, nous t'avlé parmi les sages. N'attendons au Père pour capable transformer la vie nous, pour capable prendre cœur nous. Nous avons un cœur qui tourne vers le monde. Nous avons un cœur qui est influencé par les bagatelles de ce monde. Et que nous loin de nous-mêmes. À soi, nous voulons rentrer dans le cœur. Nous voulons transformer pour nous-mêmes. Nous voulons que vous comptez nous parmi tes disciples, ô Éternel. Nous voulons attacher à vous-mêmes tout bon vrai. Nous voulons attacher à nous-mêmes avec tout cœur nous, avec tout âme nous, avec toute force nous, Éternel. Car nous savons que nous vivons dans un temps difficile. Seul monde qui est attaché à nous-mêmes est capable de résister. Seul monde qui quitte au pénétrer dans le cœur lui est capable de résister dans le fléau, ça y est, Père. Nous avons de rentrer dans le cœur nous. Et transformer pour nous-mêmes. Ou va pardonner péché nous, faute nous. Ça nous dit, nous devons dire, en plus fois, nous devons aider, nous pas aider. En plus fois, nous comporter comme un insensé envers nos semblables. Nous devons pardonner, nous va purifier la vie nous. En plus, amis, nous devons écouter la caillou. Nous devons prier dans un moment ça la caillou. Que vous capable de sceller les décisions, que vous capable de rentrer dans la vie, yo, et vous capable de souper avec vous, pour résoudre les problèmes. Yo. Nous connaissons qu'on agit à distance. Même si vous avez fait pour fils et serviteur centenier, à distance, ou te guéri, mais à distance, nous avons prié la caillou, que vous capable de rentrer la caillou, Père, pour agir en faveur. Yo. Nous ne pouvons jamais oublier prier pour Haïti qui a traversé une crise en pile incertitude. À chaque fois que nous prenons avion pour rentrer, il y a une pile incertitude, en pile kidnapping, en pile crise politique, économique, tout monte pile sous pile dans le pays à peine. Nous devons visiter le pays. Nous va permettre que la paix soit capable de régner dans le pays. Et que petit yo capable évacuer prêcher l'évangile là dans tout coin et recoin. Dernier âme va entrer au bercail pour venir chercher nous. On va bénir les dirigeants de cette église
On va bénir les maestro chaque soir qui a chanté, qui a joué musique. Mettez un autre, nous va bénir, on va bénir famille, on va bénir activité, yo, et permettre à ce que chaque jour, yo capable plus approcher de vous-même, au Éternel, pour dérouler dans vous-même, nous capable de la vie éternelle. On va bénir pasteur l'église, là, on va bénir les anciens, assoyant. Visitez-nous, nous prenons la caille, nous qui t'es venu là. Permettez à ce que vous puissiez aller en bien, retourner demain soir ou encore continuer tant de paroles. Pardonnez-nous, sauvez-nous, comptez-nous parmi les sages, inscrivez-nous dans le livre de vie, par retirer-le. Au nom de Jésus, nous prions, qui vit, qui règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous contents pour que nous soyons ensemble avec vous encore à soir. Nous avons rendez-vous demain soir pour que nous soyons capables de continuer à garder la lampe pour voir est-ce que nous gagnons assez d'huile là-dedans. Et s'il n'y a pas gagné, demain soir encore, nous avons rendez-vous pour venir mettre l'huile dans la lampe. Que bon Dieu capable bénir nous. Et allez en paix. Que bon Dieu capable bénir nous. Bonne nuit dans le Seigneur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que mes cœurs, par le sang. Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, par le sang de Jésus, mon sauveur, par le sang de Jésus.